Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 9ème épisode de mon let's play sur le jeu Banished. Ah, et on est reparti. Donc la dernière fois je vous avais laissé, c'était un poil de la galère, j'ai eu plein de morts sur les épisodes qui avaient eu lieu, sauf que là ça revenait plus ou moins. Bon, par contre on est à peu près sûr qu'on va avoir la même galère dans une vingtaine d'années, on aura la même galère. Donc là, on a beaucoup de gens qu'il faut que je mette en forester, c'est important. Parce que j'ai vraiment problème de bois. On va augmenter peut-être la limite de fuel que j'avais baissé, mais on va la réaugmenter un peu. Au cas où. Alors, donc là on a plein de laboureurs. C'est bien parce que du coup là on a plein de gens qui arrivent. On a surtout plein de gosses. D'ailleurs on va pouvoir en refaire des maisons. Parce que là, tous ceux qui vivent avec leurs parents, ils vont avoir besoin d'une maison. C'est parti. Ah oui, par contre, là, je vais avoir un problème de nourriture. Un gros problème de nourriture. Il va me falloir d'autres sources. D'autres sources. Et d'autres zones de stockage. Oula, en plus, en plein hiver. Alors, on va déjà s'occuper un peu de la production de nourriture. On va mettre un fishing dock ici. Normalement, oui, on est largement suffisamment loin. Voilà, on va le mettre ici. On va mettre un espace de stockage ici, comme ça on est bien. On a plein de naissances, on est à 68, c'est génial. Alors, on va dire c'est très bien. Bon, par contre j'ai beaucoup de trucs à faire, j'ai beaucoup de constructions. J'aimerais que mes deux constructeurs se dépêchent un peu. Je vais avoir besoin de nouveaux fishermen là, du coup. Et pour l'instant ça va bien. Bon, il y a juste le cimetière qui est complètement surbooké. On a un nouveau laboureur. D'ailleurs on va peut-être... Voilà, j'ai plus de métal ni de pierre par contre. Ça c'est un poil craignos. Et j'ai la bouffe qui descend. C'est dangereux. Plein de naissances, par contre ça c'est très bien. Je pensais que le let's play durerait très longtemps, mais non. Je l'ai pensé pour être une saison assez courte, hein, quelque chose d'assez rapide. Ah, vieillesse, c'est qui par contre? Le farmer. Bon bah, il vient de farmer, hop. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que je fasse de nouvelles fermes. Ça pourrait être un peu intéressant. Ou en tout cas des... Non, peut-être pas des orchards. On va essayer de faire des champs. Hop, un petit crop field. Ah, un nouveau laboureur. Plein de naissances. Mais 70 70, nom de Dieu. Oula, excusez-moi deux secondes. Voilà, me revoilà, excusez-moi, j'ai juste oublié de désactiver TweetDeck. Mon logiciel pour gérer tous les comptes Twitter en même temps. Donc du coup, hop, on remplace Fisherman. Vu qu'il y en avait un qui avait sauté. Voilà, plein de naissances, c'est génial. Et j'aimerais surtout que là, il y ait nouveau truc. Voilà, ouais, parce que là, la nourriture, elle descend très vite. Ouais, par contre il coupe énormément de bois quoi. Est-ce que j'ai mis une gaza hut ici? J'ai mis une... Non, il faut que je mette une gaza hut. Ce serait cool d'avoir un petit peu de... Voilà, donc là on est bien, il faut de la nourriture. Ah oui, clairement il va falloir énormément de nourriture. On a deux nouveaux laboureurs.
On va avoir un gros problème de nourriture si ça veut continuer à ce rythme-là. Alors, par contre, on peut essayer de faire une autre, un autre truc de pêche ici. Normalement, ça devrait pas se chevaucher. Oui, ça se chevauche pas, c'est nickel. On a plein de naissances, on est à 76. 76 naissances, nom de Dieu, c'est n'importe quoi, ça devient la totale folie. Par contre, j'ai plus du tout de ressources. Il va me falloir de nouveaux fishermen. Ok, j'ai eu un mort, c'est un fisherman. Bon. Voilà. Ok, là il faut qu'il me finisse ce bâtiment pour pouvoir ranger des trucs. Ah, il y a un marchand. Il y a des apple seeds. Qu'est-ce que je peux mettre moi? Des potatoes. Allez hop, des potatoes. C'est-à-dire qu'il va me falloir des nouveaux farmers. De toute façon, on va bientôt avoir des nouveaux. Un fisherman qui est encore mort. Eh oh les gars, arrêtez de crever les fishermen. Reserve of log is low. I know. Là, ils ont fait une razzia sur le bois, c'est un truc de fou. Ils sont en train de me défoncer tous mes stocks de bouffe. En train de les exploser. C'est pourquoi je vais monter un petit peu les... Hop. Je vais monter un petit peu les effectifs. Voilà, ça y est, j'ai plus de bois. J'ai plus du tout de bois. Ce qui est très embêtant. Donc là, on a un laborer qui vient d'arriver. Qui va devenir fisherman. Délicat comme situation quand même, parce que là on est en pleine transition. Ok, on est à 79, donc plus on est plus très loin de des 100, mais là en fait on a une tellement une croissance de fou que les stocks que j'avais en nourriture, tout ça, ils sont partis super vite. Du coup, méfiance, méfiance. Là j'ai mis deux nouveaux docks pour fisherman, mais c'est pas... être très délicat. Toc, à nouveau fisherman. C'est tout le firewood là qui fait des gros yo-yo, ce qui m'embête aussi. Chemin. Ok, ça va pas très loin, c'est bien. Et on va vraiment chercher des trucs super loin. Ok, on est à 80 individus, ce qui est énorme. Faut impérativement que je refasse des stocks de bouffe. Et de bois aussi. Et de bois, clairement. Le bois de chauffage me fait défaut. À ce rythme-là, on passera pas l'année. On est toujours à 80. C'est énorme, 80, mais là, c'est tendu là, je suis vraiment sur le fil du rasoir. Pour l'instant ça va bien, mais j'ai vraiment plus de nourriture quoi.
Et il s'en occupe du champ. J'ai énormément de naissances. Ce qui est pas un mal, bien sûr, mais... Je vais bientôt avoir plus de bouches à nourrir que de production possible, donc ça va être embêtant. Là, ils ont fini la Gather Hut. D'ailleurs, il faut que je m'en occupe aussi. Gather Hut. Aïe 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 aïe. 57 plus 26, ça fait 83. Je suis à 17 de l'objectif. Je suis à 17 habitants, mais j'ai surtout la bouffe qui descend à une vitesse faramineuse. J'espère que je vais arriver à trouver un équilibre, mais pour l'instant c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Heureusement qu'on a des gaz. J'ai fait quelques petites infrastructures, donc là il y a du coal. Sauf qu'il y a tellement de naissances, c'est un truc de fou là. 59 et 25, je suis à 60. Je suis à 84. C'est ça, je suis à 84. Donc là, on dirait qu'on arrive à stabiliser à 4000, mais j'aimerais mieux qu'on se stabilise à beaucoup plus. On est à 85. Et mon Dieu, c'est énorme. On a beaucoup trop, là. Il faudrait que je fasse une Gather Hut aussi. Donc là, au niveau de la récolte de nourriture, je suis vraiment au max. Tous les habitants sont dessus. Enfin, je peux pas en rajouter de plus. Sauf que là, je sais pas trop quoi en faire. Les stocks remontent. D'ailleurs, la santé moyenne fait un peu des yo-yo aussi. Stock remonte, les outils descendent, en fait aussi ça. Ah, c'est compliqué, il faudrait que je mette un herboriste. 87. En tout cas, on arrive bientôt au 100. On arrive bientôt au 100. C'est vraiment pas facile, je crois que j'ai un peu trop rushé sur la construction. Il faudrait peut-être que je prenne plus mon temps dans les prochains let's play, si prochain let's play il y a, hein, si vraiment vous avez pas du tout aimé cette série, je n'en referai plus, même si moi je me suis vraiment, enfin je me suis pas éclaté non plus, c'était pas l'éclat du siècle, mais j'adore ce genre de jeu, donc je suis très content d'en avoir fait. Il n'y a plus de bois, il n'y a plus rien, oh là 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 là, on est au début du printemps, il n'y a déjà plus rien quoi. Je fais quoi de toi? Hop. Ok, donc on a eu un mort. Deux morts. C'était qui? C'est Physician. Bon, c'est pas grave, de toute façon, tu foutais rien. On est à 88. Mais c'est surtout le bois qui m'emmerde là. Eh oh! C'est que dalle comme bois. Non, c'est pas ça que je cherche. Je peux même pas utiliser le bois étant donné que à chaque fois qu'ils en ont... Enfin que j'en ai besoin, c'est pas possible. On est presque à 90, donc on y arrive. Doucement mais sûrement, mais c'est chaud. C'est très très chaud.
C'est vraiment la limite. J'ai plus du tout de bois de chauffage, j'ai plus rien. C'est très 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 embêtant. On va faire le mode Warrior. Mais je sais que le firewood is low, sachant qu'on est au début du printemps, c'est un peu la galère. La nourriture a l'air de s'être équilibrée à 4000. Ce qui m'embête par contre, c'est qu'on a énormément de naissances au final. C'est du coup plus embêtant d'avoir des naissances comme ça. On a un boom démographique et on peut pas les nourrir. J'en fais quoi? Je les laisse par terre? Je vais faire le gros fou. J'ai enlevé tout le bois. Donc cette zone-là ne produira pas avant un petit bout de temps. Oh là 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 là, je suis à 66 plus 26, je suis à 92, 92. Vache. Ok. Je commence à avoir... le bois qui remonte. Toujours à 92. On va voir ce que ça va donner. J'espère qu'il y aura suffisamment de stock de bois pour qu'il puisse... refaire un peu de firewood. Oh là là, et la nourriture, c'est chaud, c'est chaud. En fait, là, je croise les doigts pour qu'il y ait suffisamment de naissance pour atteindre les 90. On y est presque, on y est presque. Il me reste 6 naissances à faire. À avoir, en tout cas. Dans 6 naissances, je serai content. Plus que 5. Allez, allez. Le fer est bas. Ah bah oui, du coup, ils utilisent beaucoup de fer pour faire des outils ou genre de choses. Et pourtant, il y a beaucoup de mineurs là. Normalement, ça doit produire. Et ils ont bien replanté. Aïe, aïe. Plus que 5 naissances, allez. C'est pas grand chose, 5 naissances. Ah. Il faut un peu plus que 5 naissances, du coup. On va faire des maisons, on va rapidement faire des maisons supplémentaires. Souvent, ça donne un bon coup de peps. J'ai récupéré un peu de bois, bah j'ai récupéré un peu de bois en enlevant énormément en fait. Je vois plus rien. Ok. Plus que 4. Plus que 4. Réserve de firewood is low. No! Ça fait 20 minutes, mais je pense que là, comme on atteint vraiment le dernier épisode, je vais peut-être pas vous faire un épisode de 2 minutes pour le prochain. Donc je vais continuer un peu, quitte à faire un épisode un poil plus long que d'habitude, c'est pas très grave. Voilà, vous voyez, il reste plus que... On est à 98. On est à 98, c'est vraiment la toute fin, on est sur la dernière ligne droite. Allons-y, allons-y. C'est plus grand chose, il reste plus grand chose, et de toute façon après la ville va avoir de gros problèmes. Plus qu'un. Plus
qu'un. Allez, allez. Parce qu'il n'y a plus de. Il n'y a plus de bois de chauffage, il n'y a plus rien, c'est. La dèche totale. La nourriture aussi, elle est très très basse. Et ben voilà, ça y est, dernière naissance. 76 plus 24, ça fait bien 100. Donc ça y est, on a réussi à atteindre les 100. Les 100 villageois dans ce let's play. Enfin, c'est un let's play en mode facile, sur une carte facile. Et j'ai un poil galéré sur la fin. Donc je vous dis pas la difficulté du jeu quand on le connaît pas, c'est un peu difficile. Là je crois j'ai une dizaine d'heures de jeu dans les pattes. Donc ça va. C'est pas énorme non plus, mais c'est suffisant pour arriver à faire quelques petits trucs. Je vous le conseille très fortement pour ceux qui ne l'ont pas, c'est Banished, c'est sur Steam pour une vingtaine d'euros hors solde, je crois. Donc ça descend souvent assez bas. Et je trouve ça très intéressant, c'est un jeu développé par une seule personne, je crois. Et je trouve ça très très intéressant comme concept et comme façon de jouer. Et je vous le conseille vraiment. Il y aura, si ça vous aura plu, parce que je tourne tous les épisodes en avance, bien sûr, il y aura, si ça vous aura plu, une seconde saison, un peu plus difficile, je pense qu'on mettra en médium. Je m'entraînerai d'abord un peu plus que ce que j'ai fait jusque-là. J'essaierai de voir les techniques un peu plus avancées, entre guillemets, pour survivre un peu mieux, un peu plus efficacement que ce que je peux faire en ce moment où ça reste très, très basique et un petit peu bourrin. Voilà, voilà. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, partager la série, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, voilà, à la prochaine. Salut à tous !